19h à Katakokombe, 18h à Kinshasa, heure à laquelle nous vous convient suivre cette tranche Kinshasa, Kinshasa direct avec deux thématiques, affaires Jeep remise aux députés nationaux, 500 Jeep, selon l'audio qui a fuité sur les médias, l'audio du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosson-Kodia. Le dernier lot sera remis aux députés le 12 juillet. La classe politique est vraiment divisée. Il y a certains députés qui ont dit non à cette Jeep. Et là, nous allons recevoir Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa. Lui, il est député national, élu du Sud Kivu. Il est aussi délécidé. Lui, il a dit non à la Jeep, certainement promise par le chef de l'État. Il viendra, il nous dira pourquoi il a dit non à ce don du chef de l'État. Nous allons parler de la littérature, Congo d'après, les vérités cachées du livre, le livre de Guy Luando. Nous allons en parler avec Manix Yenda, lui il est le coordonnateur pour la propagande de Congo d'après. Voilà ce qui fera beaucoup plus la charpente de notre Kinshasa direct. Bien avant cela, nous avons de l'autre côté Bedrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bedrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Prorogation de l'état de siège, le Sénat vient d'adopter en seconde lecture ce projet de loi pour une durée de 15 jours dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'était au cours de la plénière présidée par Modeste Bahati, président de la Chambre haute du Parlement. État de siège en Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à pacifier les territoires d'Irumu grâce aux efforts visant à rétablir la sécurité telle que voulue par le chef de l'État et commandant suprême des FARDC, Félix Tshisekedi. Plusieurs habitants qui avaient quitté ces territoires commencent à regagner leurs villages respectifs. Dénonciations calomnieuses et imputations dommageables. Godem Poyi, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a traduit les députés provinciaux Magloire Kabemba en justice. L'annonce a été faite par l'avocat du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa après le dépôt de la plainte au parquet général. En dehors de nos frontières, quelques jours après l'annonce sur la fin imminente de la mission Barkhane au Mali par le président français, les forces françaises de l'opération Barkhane ont été frappées ce lundi 21 juin par une attaque à la voiture piégée des présumés djihadistes dans le quartier des Kaïgourou à Gossi, au centre du pays. L'explosion a fait plusieurs blessés, notamment des soldats français et des civils. Les développements de ces titres et bien d'autres, c'est dans l'édition du soir. Entre-temps, je vous laisse en compagnie des Jean-David Kidolo pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Voilà, merci. Merci à vous, Bedrine Kenge. Ça sera dans moins d'une heure que vous allez retrouver nos téléspectateurs pour la grande édition des Télé 50. Quant à nous, nous allons commencer par le député national Mouindo Kasekwa. Lui, il a dit non. Non à la Jeep promise par le chef de l'État. C'est tout de suite. Vous souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes en VOD déjà disponible. Toute l'actualité sur notre site web www.télé50.cd. Retrouvez vos émissions, des rencontres et entretiens inédits sur YouTube Mwanamboka Congo. Télé 50 mis à votre disposition, son programme en ligne à suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Alors sur votre mobile, suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous. Nous avons été précurseurs. Nous avons innové dans l'audiovisuel national et panafricain. Notre combat est et reste la défense de l'identité congolaise, sa
culture. Son histoire. Son patrimoine. En pleine troisième vague de Covid-19, les députés nationaux seront dotés des nouvelles Jeeps. Malgré la crise économique due à la pandémie coronavirus. Ces Jeeps sont déjà au port de Matadi, selon l'audio du président Bosson Kodia, qui a fuité dans des médias. Les Jeeps sont déjà là. 250 Jeeps. L'honorable Kester, adjoint, va partir avec, je crois, 3 députés qui vont se rendre à Boma pour signer les documents, acheminer les Jeeps à Matadi puis à Kinshasa. Le 12 juillet, les 250 autres Jeeps seront là. Donc, je crois, fin juillet, les Jeeps seront répartis aux 500 députés. Alors que toute la classe politique est appelée à la réduction des trains de vie des institutions, Jean-Claude Katende s'est interrogé dans son compte Twitter d'où serait venu l'argent qui a acheté ces Jeeps. Cet argent est prévu dans quel budget? Cet argent ne pouvait-il pas être affecté aux problèmes du peuple? Pour Jean-Claude Katende, l'IGF devrait enquêter sur l'origine de cet argent. Selon la mise au point de la cellule de communication de l'Assemblée nationale, qui dénonce une fois de plus la mauvaise foi d'une certaine classe politique en mal de positionnement, qui cherche à soulever des vagues, des vents. Pour la cellule de communication, les 500 véhicules ont été commandés par l'Assemblée nationale et tous les députés nationaux en seront bénéficiaires. Et ce, en suivant les us et coutumes relatives à une gestion orthodoxe de la chose publique. Et les preuves sont disponibles pour en témoigner. La cellule de communication appelle donc à tout député qui juge contraire cette pratique de se désengager publiquement tout en notant qu'un député national mérite mieux qu'une voiture. Un député national mérite mieux qu'une voiture. Voilà, nous allons recevoir pour vous les députés nationaux Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa. Bienvenue. Merci David, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, merci surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu. Vous êtes élu du Sud Kivu. Élu voilà. De la ville de Goma. Voilà, ville de Goma, Nord Kivu. Martyr du volcan. Voilà, martyr du volcan. Mais vous aviez refusé un cadeau du chef de l'État qui vous a été accordé. Pourquoi aujourd'hui vous aviez refusé? Oui. J'estime que mes électeurs et le peuple congolais méritent mieux, méritent du respect, méritent de l'honneur, méritent de l'intégrité de notre part. La promesse de Jeep a été donnée comme en sourdine de bouche à oreille depuis le mois de décembre 2012. Pourquoi cette promesse? C'était dû à quoi? Je l'ai attendue pour la première fois dans la plénière, lors du jour du vote de la pétition en vue de la déchéance des membres de l'ancien bureau. Quelqu'un qui ignorait tout de mon intégrité morale est venu me chuchoter à l'oreille que dès que j'irai voter, que je prenne soin de prendre une photo de mon bulletin de vote et que quand je vais revenir présenter ça à la cellule d'organisation de cette cérémonie-là, eh bien, un formulaire me serait remis pour que je sois inscrit comme candidat bénéficiaire d'une Jeep. Donc, la conséquence, pour avoir la Jeep, il fallait voter contre le bureau Mabunda. Et moi, j'ai dit, je suis de ceux-là qui ont attaqué le bureau Mabunda avec le plus de pétitions. Parce que plusieurs initiatives parlementaires
consacré notamment à la question de l'insécurité à l'Est que j'avais déposée et que d'autres collègues de l'Ituri du Sud-Kivu avaient déposée, était régulièrement bloquée par le Bigou Mabunda. Et j'ai dit aux collègues, ces raisons sont suffisantes pour que je vote pour la déchéance de ce Bigou. Je ne vois pas pour quelles bonnes raisons vous devez accompagner ça de corruption. Et donc, c'est à partir de ce jour que j'ai eu vent de cette affaire d'Égypte. Alors, depuis le début de ce mois de juin, l'état de siège a été proclamé avec des résultats très, très contestables. Lors de la demande d'autorisation de la première prorogation, les langues se sont déliées. L'honorable Mbosso a promis qu'une séance d'évaluation serait organisée. Cette séance n'a jamais eu lieu. Et par surprise, nous avons plutôt reçu un projet de loi d'habilitation par laquelle il fallait autoriser au gouvernement de proroger désormais l'état de siège sans plus référer à l'Assemblée. Et là, c'est lorsque vous serez pendant des vacances parlementaires. Lorsque nous serions en vacances parlementaires. Okay. Et j'ai salué la bravoure, la loyauté des députés nationaux qui tous, comme un seul homme, ont refusé que ce projet de loi soit inscrit au calendrier de la session parce que, estimaient plusieurs députés, la situation des droits de l'homme est critique à Nitori, au Nord Kivu. L'état de siège tarde à donner des résultats et que conformément à la Constitution, notamment l'article 3, l'alinéa 3 de l'article 144, il était impérieux que les députés retardent la clôture de la session pour continuer à contrôler le déroulement de l'état de siège. Cette plénière s'est tenue le mardi de la semaine, je pense que c'était le 15 ou le 16, mardi ou mercredi. Curieusement, alors, on va de passer à la plénière, à la réunion maintenant de Mbosso, qu'il a tenue avec les députés de l'Union Sacrée le vendredi, effectivement. Soit 48 heures après, au cours de la séance où le projet de loi d'habilitation a été rejeté, eh bien, le président était quand même très, très embarrassé. Très embarrassé. Il a dû suspendre la séance, il est venu dans les rangs vers le député pour essayer de les persuader à revenir au vote de la plénière. Le député était catégorique. Et donc, voilà le contexte. Avant qu'on y revienne, on va revenir certainement au niveau de la loi d'habilitation. Mais vous avez refusé parce que vous aviez reçu le mot d'ordre de votre autorité morale, on peut le dire, Martin Fayoulou. Il est très radical. Dans ce radicalisme-là, c'est là que vous êtes beaucoup plus réfugié pour refuser. Non. Il est vrai que j'admire le caractère du président de mon parti. Mais la raison fondamentale pour laquelle j'ai refusé, n'est-ce pas, c'est cadeau empoisonné. Cadeau empoisonné. Oui. Mais empoisonné comment? La corruption est un poison. Ça, c'est un cadeau ou ça, c'est une corruption? C'est un cadeau du chef de l'État. Ça, c'est selon ce que le président Mbosso a dit. Les cadeaux. Il veut faire cadeau. Parce que, selon certains députés, ils soutiennent pour dire. Ça, donc, c'est des traditions. Dans toutes les législatures, ça s'est fait ainsi, dans les législatures passées. Et aujourd'hui, le chef de l'État, soucieux de l'amélioration du social des députés, il a voulu aussi leur donner une Jeep qui coûte 54 000 dollars, fois 500, ça fait 27 millions de dollars. C'est criminel, cet acte-là. C'est criminel. Vous avez lu le communiqué de la cellule de communication de l'Assemblée nationale. Au point 4 de ce communiqué, il est clairement dit que le mobile pour lequel l'honorable Mbosso a livré cette information de la disponibilité des jeeps, le but était de faire le rappel des troupes. Ça veut tout dire.
Rappel des troupes. Rappel des troupes, c'est-à-dire... Il a été déçu par il le vote d'habilitation. Il a été déçu par le rejet du projet de loi d'habilitation. Et il s'est dit, je risque gros. Les députés risquent de s'avérer plus exigeants, même pour évaluer la demande de la nouvelle autorisation de prorogation de l'état de siège. Le député risque de recouvrer leur liberté pour exiger plus de contrôle. Et il a décidé donc de ramener cette promesse-là, qui avait déjà été donnée, disais-je, le 10 décembre, lors de la plénière de destitution de l'ancien Bigot. Et donc, étant donné que le but consiste à l'achat de conscience, n'ayons pas peur des mots, ne les négocions pas, le rappel des troupes, c'est l'achat de conscience. Oui, si c'est l'achat de conscience, et ils sont majoritaires, ils ne pouvaient pas acheter, donc ils sont déjà majoritaires, et ils font ça à 500 députés. Alors, en quoi il y a cet achat de conscience? D'autant plus qu'ils ne peuvent pas s'en douter de la majorité qu'ils possèdent au niveau de l'Assemblée nationale. Non. Cette majorité-là a montré qu'elle n'était pas très, très docile, aussi loyale qu'on pouvait. Et c'est une majorité qui coûte cher à la République. Non seulement elle coûte cher, David, la corruption tue le pays. Félix lui-même allait dire à Bounia que l'armée, la police, le Sénat, toutes les institutions sont rongées par la magouille. C'est là que j'ai été scandalisé d'attendre le président de l'Assemblée dire que cette décision de doter les députés de ces 5 sadjips serait venue de Félix. Comment peut-on dénoncer la magouille? Comme le dit la Bible, vous regardez la poutre qui est à l'œil du prochain, à l'œil de l'armée, à l'œil du Sénat, et vous ne voulez pas ôter la paille qui se retrouve dans la vôtre. Comment peut-on vouloir déboulonner la magouille, la mafia? Et je suis d'accord avec lui, je suis de ceux-là qui continuellement dénoncent la mafia qui s'organise au sein de l'armée. Depuis longtemps, nous avons dit que nous n'avions pas 21 000 militaires à Béni. Qu'au contraire, l'on a 7 500. Et donc, 13 500 fictifs. Et vous pouvez vous poser la question de savoir, les armes destinées aux 13 500 vont où? Vont où? Les tenues destinées aux 13 500 vont où? Les munitions, la ration, les salaires. Est-ce que ce n'est pas avec toute cette logistique que sont dotés les ADF? Parce qu'à maintes reprises, elles viennent vêtues de la tenue des FARTC. Donc, cette mafia mérite d'être démontée, démantelée. Mais en même temps, nous ne saurons pas démanteler la magouille, la mafia dans ses services, alors que nous-mêmes, nous sommes en train de l'entretenir en ciel ouvert. Et nous nous glorifions la messe que le président Mbosso a organisée au Congo Fleuve. Eh bien, c'est de la sorcellerie à pleine journée. Mais comment sorcellerie? C'est une famille, c'est une plateforme. Elle peut se réunir quand elle veut. Mais pourquoi vous appelez sorcellerie? Elle a le droit de s'organiser quand elle veut. Non pas pour détruire la République. Mais comment détruire la République? Lorsqu'ils sont en train de parler des intérêts de la RDC, par la loi sur la CENI, il dit que non, il devrait certainement déployer des communicateurs sur tous les plateaux de télévision pour défendre cette loi. C'est au nom de la République, ce n'est pas au nom d'un individu. Vous avez suivi la réaction de plusieurs acteurs de la société civile contre cette loi. La CENCO elle-même dit que cette loi ne garantit pas la dépolitisation de la CENI. Or, à l'état actuel où la cohésion nationale est en danger, nous n'avons pas le droit de planifier des élections bâclées à 2023. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque vous parlez de la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante, est-il possible d'organiser une commission électorale sans être politisée? Ça sera difficile, d'autant plus que... La MUCA a
présenté sa proposition. C'est quoi votre proposition? La proposition, c'est que le bureau de l'Assemblée soit composé exclusivement des délégués des 8 composantes de la société civile. Deuxième élément de la proposition, que le secrétaire national de la CENI, de même que le secrétaire exécutif provincial, soit recruté par un cabinet neutre sur concours. Troisième élément, que le politique ne soit représenté que dans la plénière à titre d'organe de contrôle de l'exécutif qui serait chapeauté exclusivement par les acteurs de la société civile avec des secrétaires exécutifs nationaux et provinciaux recrutés de manière tout à fait indépendante et peu comme le recrutement se fait dans des organisations sérieuses sur base des concours. Et nous serions donc parvenus à la dépolitisation, ce n'est pas impossible. Les politiciens présents dans la plénière assureraient le rôle, l'organe de contrôle. Mais la situation actuelle, c'est que il y a eu ce mariage FCC-CACH, l'Union sacrée s'attribue 4 postes sur les 7 que compose le bureau. Le FCC, on lui donne 2. Et donc, Union Sacrée 4 plus FCC 2, c'est l'alliance qui est reconstruite. Ils ont 6. Et puis, à la société civile, ils laissent le seul poste de président. Encore que là, nous savons les magouilles qui sont en train d'être montées pour que même ce président dit de la société civile proviennent de l'Union Sacrée. Mais, oui, mais avec ça, vous ne voyez pas que vous risquez encore de tirer les choses en longueur. Les élections pourraient être certainement reportées avec ça. Déjà, au niveau de la Mouka, il y a beaucoup plus de contestations par rapport à cette loi. L'Église catholique, on l'a suivie et n'est pas d'accord avec la loi Lutundula. On voit Christophe Mbosso qui a rappelé les députés pour leur dire que déjà cette semaine, il devrait se déployer sur les chaînes de télévision pour défendre cette loi. Et vous ne voyez pas qu'il y aura vraiment un bras de fer. C'est quelle église qui sera là? Parce que peut-être l'église des réveils qui pourrait être choisie. Et ce qui est plus grave dans les propos de Mbosso, il dit que Félix est le législateur suprême. Il a dit ça? Il faut suivre son audio. Oui, oui. Il dit le président est le législateur suprême. Ça, c'est grave. Et si donc, il est là pour exécuter les dictats de la présidente de la République. Alors que c'est à nous, députés, que le peuple, que la Constitution donne le mandat de légiférer à toute impartialité. Mais ici, Mbosso veut faire de l'Assemblée nationale une simple caisse de résonance destinée à entériner les dictats qui viennent de la part de celui qui l'a nommé. Et ça, c'est inacceptable. Il n'a pas été nommé, il a été voté par vous, député. Il n'y a jamais eu vote. Hein? Il n'y a jamais eu vote. Mais comment de la même manière que Mabunda n'avait jamais été élu, Mbosso n'a jamais été voté. Il n'y a jamais eu voté, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu là? Mais il a été coopté par... il a été donné, imposé par le chef de l'Union Sacrée. Et il y a eu acclamation. De la même manière que la recomposition des bureaux de la commission qui a été faite il y a de cela 2 semaines, il n'y a pas eu vote, David. Et vous faites je suis de la commission défense et sécurité. Tout le membre actuel du bureau, personne n'était membre de la commission défense et sécurité. C'est en fonction des affinités avec les chefs des partis politiques que par surprise, vous apprenez que tel est désormais le président de votre commission, tel autre en est le rapporteur. Donc, il y a du forcing dans tout ce que le président Mbosso est en train de faire au niveau de l'Assemblée nationale. C'est une catastrophe. Catastrophe. Et plus grave, il dit, déployez-vous. Le bureau de l'Assemblée va prendre à charge toute la communication. Avec quel moyen? Quel moyen? C'est-à-dire avec l'argent du contribuable congolais. L'argent qui n'est pas donné aux infirmiers qui luttent contre la Covid et aux médecins. L'argent qui n'est pas donné aux policiers, aux militaires, même pendant l'état de siège, David, à territoire de Béni, pendant tout le mois de mai,
Les militaires ont souffert du manque des rations alimentaires. Les militaires. C'est seulement le 12 juin que la ration leur est parvenue. Une ration suffisante. Et pendant ce temps-là... Suffisante, la ration? Pas du tout suffisante, mon frère. Je l'ai dit ici la dernière fois. J'ai été à Moali, Kalta, le Graben. Avant-hier, 43 personnes ont été enlevées à nouveau par les ADF qui reprennent une activité intense de recrutement forcé. J'ai rencontré les vaillants militaires FARDC. Mais dans quelles conditions horribles? Tout un régiment de plus de 1700 militaires n'est doté que d'une seule Jeep à mauvais état. Et donc le régiment... Alors qu'ici, je partage 500 Jeeps. 500 Jeeps. Allègrement. Au niveau de l'Est, c'est une seule Jeep. Tout le régiment au front. Tous ces pauvres administrateurs qui sont déployés dans les cadres de l'état de siège. C'est l'ultime Sissi, à la remise de prise, il n'a retrouvé dans la caisse que 69 dollars. C'est l'ultime Goma, il n'a retrouvé que 4000 francs congolais. Il est contraint de marcher à pied. Aucune dotation. C'est l'ultime Beni, Teloubero, Anitori, c'est pareil. Et pendant ce temps-là, il faut que 27 millions de dollars soit donné à titre de cadeaux empoisonnés pour distribuer des jeeps. C'est immoral, c'est criminel. Voilà, et s'il faut parler de la loi d'habilitation, Christophe Mbosso est allé saisir la Cour constitutionnelle, et tout ça, ça serait un camouflet pour vous qui avez refusé cette loi. Bien, comme je le disais tantôt, j'ai vu l'embarras du président Mbosso le jour où les députés courageusement ont rejeté, n'est-ce pas, la demande d'inscrire la loi d'habilitation au calendrier. Parce que pour la majorité des députés, très très lucides ces jours-là, et pour détruire cette lucidité, pour son recours à la corruption, je me demande pourquoi le procureur près de la Cour de cassation ne peut pas s'empresser d'initier une démarche pour attendre le président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il a fait là? Est-ce que pour étouffer cette lucidité dont les députés ont fait montre pour rejeter ce projet de loi d'habilitation, il recourt à l'arme des cadeaux. Ça s'appelle porte-vin. Et donc, il a saisi la Cour constitutionnelle parce qu'il veut obtenir de cette Cour l'autorisation, une interprétation d'après laquelle, malgré la proclamation de l'état de siège, le député devrait accepter d'aller à vacances. Alors que l'alinéa 3 de l'article 144 est clair et dit que lorsqu'il y a état de siège, il y a état d'urgence, eh bien la clôture de la session est des droits retardés. Et si l'état de siège aurait été proclamé pendant que le député était en vacances, eh bien, la session parlementaire devait être ouverte de droit pour permettre, en fait, aux députés de contrôler. Et un alinéa de cet article dit que l'Assemblée nationale a le droit de mettre fin à l'état de siège à tout moment. Et il y a des dérapages aujourd'hui en territoire Kitouri. J'ai entendu un militaire déployé dans le cadre de l'état de siège dire « Ezatango Nabiso ». C'est-à-dire, c'est leur temps. C'est leur temps pour nous enrichir. On arrête des paisibles citoyens comme on veut. En Ituri. Et comme les magistrats... Jusque-là, il n'y a pas une loi d'encadrement de l'état de siège. Il n'y a pas de loi d'encadrement. Alors pourquoi vous, députés, qu'est-ce que vous faites pour certainement attaquer en inconstitutionnalité cette histoire? Parce que lorsqu'il y a la proclamation de l'état des sièges, il faut qu'il y ait une loi d'encadrement. S'il n'y a pas la loi d'encadrement, vous pouvez attaquer en inconstitutionnalité. Vous attendez quoi? Il y a d'abord un collègue qui a déposé une proposition de loi d'encadrement depuis bientôt 3 semaines, bientôt 1 mois. Et Mbosso classe ça dans les tiroirs. Au contraire, il s'acharne, il saisit même la cour pour qu'à tout prix, la loi d'habilitation, le projet de loi d'habilitation soit voté. C'est une complicité manifeste de mauvais goût, voulais-je dire. Alors, pourquoi nous n'attaquons pas ça en inconstitutionnalité? Nous avons cru que Mbosso était de bonne foi, parce qu'il a promis solennellement qu'une plénière en vue
de l'évaluation de l'état de siège devait être organisée. J'avais déjà saisi l'Assemblée nationale par une question orale avec débat adressé au Premier ministre. Depuis le 10 juin, 4 jours après l'entrée en vigueur de l'état de siège, pour demander que M. Sam Aloukonde, le Premier ministre, vienne nous expliquer pourquoi l'état de siège était décrété avec la même légèreté que les opérations militaires antérieures. En 2019, le 21 juin, Félix a décrété l'opération Zorubaya Ituri à Bunia. Le résultat de cette opération, c'est un fiasco. En octobre 2019, on a décrété avec la grande légèreté une opération militaire dite de grande envergure à Beni. Et le résultat est fiasco. Pourquoi ? Non seulement on n'a pas pris soin de régler la question des effectifs fantômes, mais également on n'a pas assaini la chaîne de détournement des fonds destinés aux opérations. Mais cette fois-ci, le chef a dénoncé, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il a dénoncé la mafia au niveau des forces de sécurité, presque dans toutes les institutions. Espérons que ces dénonciations, ce serait quelque chose de positif. Il n'est pas le droit de dénoncer comme la société civile, comme tout le monde. Il doit agir. Il doit agir, il doit sanctionner. Il a multiplié les promesses. J'ai suivi ses propos à Bounia, il disait, les gens vont encore dire que je donne une nouvelle promesse. Je me raconte que lui-même se raconte. Donc, il est conscient que les gens parlent, qu'il tient des promesses sans... Et donc, qu'il ait dénoncé, ce n'est pas ce que nous attendons de lui. Il doit prendre des mesures fortes. Et donc, nous avions cru, et nous continuons à faire pression. J'ai fait un rappel de ma question orale avec le débat. 2 semaines après, nous continuons à croire que Mbosso va tenir parole et que la plénière consacrée à l'évaluation de l'état de siège devrait avoir lieu. Vous avez suivi les tueries de Tchabi et de Boga. Il n'y avait pas plus de 30 militaires dans ces deux entités. Et 70 personnes sont massacrées dans la nuit du 30 au 31. À Butoto, il y a 32 personnes. Donc, et pendant ce temps-là, mais, le gouverneur militaire... Mais il y a quand même de l'évolution positive dans ce sens-là. L'évolution... Et même le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a dit que l'armée va monter encore en puissance. De bons discours, on en a attendu depuis longtemps. Il y a eu une seule opération militaire depuis la proclamation de l'état de siège. C'était sur la route nationale 27. De Bounia à l'Ouganda. Et là, les FARDC ont remporté une victoire contre les éléments de Côte-Déco. Ils ont libéré la barrière par laquelle les miliciens de Côte-Déco percevaient des taxes pour se financer. Mais les opérations se sont limitées à mi-chemin. Les miliciens sont partis se réorganiser. La preuve, c'est qu'ils sont revenus 3 semaines après pour attaquer les positions FARDC. Au centre commercial de Fataki, nos militaires ont pris la fuite. Aujourd'hui, dans le Massissi, c'est la débandade. Pendant que Félix est à Goma, les populations fuient de partout, de toutes les localités de Massissi, parce que c'est la coalition APCLS, Nyatura, NDC, qui attaque maintenant les positions TFA-TC, à plein état de siège. Et quand même, vous devez aussi féliciter les chefs de l'État. Vous aviez dit qu'ils ne seront pas... qui ne sera jamais à l'Est. Il est là, à l'Est. Il va rester là jusqu'au 30 juin. Ce sont des signaux positifs. Des visites, on en a toujours reçu. Plusieurs. Il a été à Bounia, il a été à Beni. Je l'ai été sur une chaîne. J'aurais bien voulu le voir à Tchabi, à Boga. J'aurais bien voulu le voir là où 70 Congolais ont été massacrés en une nuit. Pourquoi s'interdit-il d'y aller? Il est allé à Kassindi par un hélicoptère de la MONUSCO. De quoi a-t-il peur? Alors que, d'après lui, à la suite de l'état de siège, la route Beni-Kassindi est sécurisée. Les Congolais sont tués là-bas chaque jour. Donc c'est bien beau d'être à Goma, dans un hôtel climatisé, hôtel de luxe. C'est bien beau de survoler le ciel, de Beni, de Bouni en hélicoptère. Mais... ce que nous attendons, ce sont des décisions fortes. Par exemple,
Pourquoi ne pas demander au gouverneur militaire du Nord Kivu d'aller s'installer à Beni depuis que l'état de siège a été proclamé? Jusqu'à ce jour, il est à Goma. Il n'est sorti qu'une seule fois pour accompagner Félix et ils sont rentrés ensemble. Il multiplie les réunions à vue de la maximisation des recettes. Pendant ce temps-là, il n'y a pas de loi d'encadrement des recettes propres des provinces. Comment ces militaires qui ont fait assurer de la magouille dans la gestion des services de sécurité, comment pouvons-nous les laisser sans organes de contrôle, sans loi d'encadrement? Nous leur laissons les soins de gérer les recettes propres des provinces avec la dotation qui vient du gouvernement central. Nous laissons tout ça contrôle à leur guise. Et nous attendons qu'assister à un procès de 100 jours, à un procès d'état de siège pour chercher le bouc émissaire. Qu'est-ce qu'il vise réellement? Voilà. Monsieur Jean-Baptiste Mouindo, merci. Merci surtout de votre passage. C'est moi qui vous remercie. Donc, vous, pour vous, pas de jeep? Non. Vous refusez? J'ai promis à Dieu que je ne prendrai jamais un cadeau de corruption. Donc, il n'y a que vous seulement? J'espère qu'il y aura d'autres collègues. J'apprends que les collègues d'Ombassi ont décidé du même parti que moi. Certainement que la collègue Charlotte et beaucoup d'autres vont suivre la pression, les demandes, les appels de nos électeurs sont pressants. Mais beaucoup plus, nous avons l'obligation d'avoir la crainte de Dieu. Nous sommes un pays qui s'est dit à 95% composé de chrétiens. Comment nous pouvons accepter que la corruption soit un mode de gouvernance? Mais pourquoi vous parlez un cadeau? Ça, c'est un cadeau, on fait cadeau. En quoi le cadeau peut être une... Non, je vous ai dit les deux contextes. Les contextes de la déchéance de l'ancien bureau. On promet la Jeep à contrepartie du vote. Et puis les contextes de la dernière réunion. On promet la Jeep pour faire le rappel des troupes, la loyauté, parce que les députés ont rejeté le projet de loi d'habilitation. C'était la corruption, c'était l'achat des consciences. Merci. Et bon soldat s'est repenti. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, député national élu de Goma et aussi du parti politique SID. Je suis le secrétaire général adjoint du parti politique SID, dirigé par le président Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, merci. On en parle, on change cette fois-ci. On va parler un peu de la littérature, parler des Congos d'après. C'est tout de suite. Vous souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes en VOD déjà disponible. Toute l'actualité sur notre site web www.télé50.cd. Retrouvez vos émissions, des rencontres et entretiens inédits sur YouTube Mwanamboka Congo. Télé 50 met à votre disposition son programme en ligne à suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Alors, sur votre mobile, suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous. Le Congo d'après, les vérités cachées du livre. Nous allons en parler avec Manix Iyenda. Bienvenue, monsieur Manix. Merci beaucoup, Jean-David Kilolo. Connu sous plusieurs casquettes, tantôt aujourd'hui, on vous voit coordonnateur de Congo d'après. Qu'est-ce qui justifie une transhumance de votre part? Non, il n'y a pas question de transhumance. Vous savez, parmi les motivations qui nous ont poussés à faire la politique, c'est notamment... Vous voulez vous livrer au plus offrant?
Non, pas du tout. Nous, on fait la politique avec des valeurs, on fait la politique avec des paradigmes à proposer à notre population. Si nous avons accepté de faire la politique, c'est parce que l'on était senti capable de pouvoir apporter des solutions à la communauté, des solutions à la population congolaise. Et ces solutions-là, nous pouvons les apporter de multiples manières, en posant des actions concrètes, tel a été le cas avec notre autorité des références, Maître Guélo Andomboyo, dans le cadre de la Fondation Widal, en tant qu'acteur politique et en même temps en tant qu'acteur du développement économique et social, parce qu'il estimait important en tant que Congolais, en tant que citoyen, d'apporter sa pierre d'édifice pour la contribution de la RDC. Et nous qui sommes derrière lui, nous qui sommes sous sa vision, nous emboîtons le pas dans la même démarche de poser des actions. Parce que dans le Congo d'après que nous voulons imprimer pour la nation, il ne s'agit pas d'un Congo de discours, il ne s'agit pas d'un Congo de démagogie, mais plutôt un Congo des actions. Et aujourd'hui, nous voulons proposer aux Congolais des idées phares pour gérer le Congo de demain. Ça fait plusieurs mois que le livre est sorti, « Le Congo d'après », mais il y a toujours une surmédiatisation du livre. C'est quoi? Donc, ça ne produit pas des effets escomptés? Non, mais pas du tout. Vous savez déjà que... Est-ce que les gens lisent ça? Est-ce que vous, quand vous avez mis ça quelque part, les gens achètent? Bien entendu. Et d'ailleurs, ça fait partie de nos stratégies de pouvoir faire part aux Congolais du contenu de cet ouvrage. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de diligenter toute une structure, toute une organisation qu'on appelle le Congo d'après. C'est dans le but de pouvoir transporter des idées qui viennent d'un acteur politique connu sous le nom de M. Guy Luando Mboyo, qui a proposé une recette thérapeutique par rapport aux problèmes liés à la Covid-19, par rapport à la sommation de constats qu'il a réalisé 60 ans après l'indépendance de notre pays. Et lui a conclu par dire que nous ne méritons pas le Congo que nous avons aujourd'hui, 60 ans après. Nous ne méritons pas le Congo que nous avons aujourd'hui après cette catastrophe sanitaire la plus nocive, la Covid-19. Il faudrait imprimer des nouveaux paradigmes à proposer à la population. C'est comme ça qu'il a proposé des grandes idées. Et nous, en tant qu'acteurs, nous, en tant que ceinture qui constitue le bureau politique de cet acteur politique, nous faisons le transport de ces idées qui viennent de Guy Luando vers la population congolaise pour que l'on comprenne la nécessité. Parce que l'intitulé même de cet ouvrage, c'est bien le Congo d'après, nécessité d'un changement de cap post-Covid-19. C'est comme ça que nous nous sommes organisés en termes de structure, ayant un comité national, en mettant en place des entités nécessaires mais pour pouvoir relayer cette vision. Mais il y a très longtemps, pourquoi ne pas envisager une autre publication pour aussi être riche peut-être dans sa manière de pouvoir écrire? Mais ça date, ce livre-là. Pourquoi non, mais écoutez, ce livre ne date pas assez parce que le livre a été publié il n'y a pas très longtemps. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est justement avoir la lecture des auteurs, enfin disons la lecture de lecteurs de ce livre, ceux qui ont eu à accéder dans le contenu de cet ouvrage, parce qu'au-delà de la lecture, ils ont aussi des propositions à faire pour que le Congo d'après soit réellement... Il y a donc, ils accusent de la récupération. Certains temps voulaient un peu récupérer pour faire beaucoup plus un peu de l'opinion sur, alors qu'un certain temps, les gens ne sont pas concentrés à ça, ils sont concentrés à autre chose. Non, mais pas du tout. Si les gens ne sont pas concentrés au Congo, et les gens seront concentrés à quoi? Non, au livre, moi je ne pas du livre. Non, mais effectivement, écoutez, vous savez, le Congo d'après, c'est un livre merveilleux. Lorsqu'on a fait le vernissage de ces livres, il y a eu des gens qui ont acheté, il y a eu des grands témoignages par rapport à ceux qui ont lu l'ouvrage. Et d'ailleurs, ce que nous avons essayé de mettre en place, je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'une des stratégies que nous mettons en exergue pour faire parvenir le contenu, ces idées que nous considérons comme des briques pour bâtir, comme notre hymne national nous a recommandé, un Congo plus beau qu'avant. Parce que dans le Congo d'après, nous avons autant de solutions à apporter à notre pays et à notre population. C'est comme ça que nous considérons notre cadre de change, notre cadre de réflexion. Vous savez, le Congo d'après en tant que structure n'est pas à comparer comme les associations que nous voyons, comme des asbels de mouvements citoyens, tout comme de mouvements politiques que nous soyons. Nous sommes d'abord et par essence un réceptacle des idées républicaines, un cadre qui réunit le Congolais, non seulement pour se rencontrer et d'échanger, mais aussi d'apprendre,
et de s'informer et enfin d'agir et d'impacter positivement sur la qualité de vie de notre société. Tout commence par les grandes idées. C'est par ces grandes idées que nous allons effectivement mettre en œuvre au travers la gouvernance, au travers notre façon d'agir. C'est comme ça que nous considérons cet ouvrage, Le Congo d'après, écrit par Maître Guillaume Andomboyo, comme un outil de gestion pour le dirigeant. Parce que tout à l'heure là, vous avez parlé des stratégies. Est-ce que ce sont ces stratégies? Parce que Guillaume Andomboyo, après tout, c'est un politique. Qui dit politique, c'est que tout ce qu'il est en train de faire, il n'y a rien n'est au hasard. Il vise toujours quelque chose. Est-ce que ce n'est pas des stratégies pour reconquérir l'électorat de 2023? Guy Luando, si vous regardez dans la plupart de toutes ces actions qu'il a eu à réaliser dans le temps, vous allez vous rendre compte que dans ses stratégies, il n'y a pas de motivation négative. Guy Luando a commencé à faire des actions bien avant même que l'on soit un peu plus proche aux élections de 2023 pour solliciter justement le suffrage de qui que ce soit. Guy Luando a posé des actions concrètes pratiquement dans tout le secteur de la vie nationale. Dans l'emploi, la formation professionnelle, la santé, l'éducation, l'infrastructure, et j'en passe. Et non pas pour solliciter un quelconque suffrage de qui que ce soit. Et déjà, il a réalisé ses actions sans être dans un label politique X ou Y. L'essentiel sur lequel, je vous ai toujours dit que nous avons une autre façon de vouloir faire la politique. Sous le modèle de notre locomotive politique, Maître Guillaume Andomboyo, avant de prendre la responsabilité de diriger un État comme le Congo, un pays à valeur continentale, nous devons avoir un certain nombre de capacités. Si nous avons accepté de venir en politique, c'est parce que nous avons estimé capable de pouvoir répondre aux besoins de population congolaise. Et d'ailleurs, aujourd'hui, notre plus souhait, le souhait le plus ardent de nous en tant qu'acteurs politiques aux côtés de Maître Guillaume Andomboyo, c'est d'avoir plusieurs Guillaume Andomboyo parce que nous pensons à travers l'action, la conjugaison des efforts de tout le Congolais, un peu dans la logique des actions de Maître Guillaume Andomboyo, je pense que nous pouvons résoudre considérablement le problème de toute la nation. Parce que, en tant que peuple appartenant à une nation, nous avons un élément qui nous réunit, ce qu'on appelle le vouloir vivre collectif. Et c'est comme ça que nous disons, il faudrait que le peuple congolais comprenne l'essentiel. Parce que ce qui est beaucoup plus important, regardez un peu, si vous retracez même la trajectoire historique du Congo qui était dans le temps passé par rapport au Congo d'aujourd'hui, il est vrai, nous avons hérité un certain nombre de privilèges qui nous ont été légués par le colon belge. On l'a mal entretenu par la mauvaise gestion de l'homme congolais que nous sommes. Et aujourd'hui, si nous faisons le bilan du Congo 60 ans après, on ne mérite pas le Congo que nous avons aujourd'hui. C'est comme ça que nous, dans la vision de notre autorité des références, nous voulons doter aux Congolais un Congo de la dignité et non de la honte, un Congo des solutions et non des problèmes, un Congo de l'unité et non de division, un Congo de la paix, un Congo de la joie, un Congo de justice. C'est comme ça que nous avons accepté de travailler en commun accord avec la vision du chef de l'État qui s'est inscrit pratiquement dans cette logique de pouvoir doter aux Congolais un Congo que le Congolais mérite. Ensemble, avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ensemble avec... Éléments saillants de votre livre, les éléments saillants, parce que, vous voyez, c'est littérature Congo d'après, les vérités cachées du livre. Ben, écoutez, il y a le livre est contenu, est composé de 8 articles importants, et l'auteur a parlé avec tout son cœur. Je voudrais juste prendre le cas, par exemple, là où il parle de l'économie. L'auteur nous recommande d'inventer pratiquement l'économie au lieu de rester indélébilement attaché à ces concepts que nous avons toujours utilisés dans le langage politique, la relance économique. On le dit à tout moment, la relance économique. Et l'auteur nous invite, effectivement, à ne pas s'appuyer sur la relance, parce que si on parle de la relance, cela voudrait dire que l'on veut se baser sur les bases économiques qui existaient déjà, alors que nous qualifions les bases économiques de la RDC comme de bases biaisées. Et déjà que nous savons que le modèle économique qui nous a été légué par le colon belge, il s'agit d'un modèle d'économie extraverti. Alors que l'auteur de cet ouvrage, Le Congo d'après, voudrait que nous ayons effectivement un modèle du développement économique endogène qui commence par la base, parce que le Congo est le socle du développement non seulement de notre propre pays, mais aussi de tout le continent africain, parce que nous avons de quoi alimenter l'Afrique. Le ministère de l'aménagement du territoire, dont occupe actuellement Guy Luando, convient à ce type
des personnalités. Eh bien, pourquoi pas? C'est une responsabilité publique. Aménagement du territoire. Aménagement du territoire est un besoin imminent. Ça convient à Guy Luando? Mais pourquoi pas? Guy Luando, c'est un acteur, un serviteur de la population congolaise. Il n'est pas venu dans l'Union sacrée, dans l'idée de pouvoir quémander ou exiger un poste quelconque. Il a reçu, par le cutus du président de la République, la responsabilité de pouvoir gérer ces secteurs en tant que ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, avec son expertise, avec sa capacité, avec toute l'intelligence qu'il a. Il va le mettre en œuvre pour apporter aux Congolais, tant soit peu, les résultats du travail qu'il est en train de réaliser dans le cadre de ses ministères. Et déjà, dans si peu de temps, vous allez voir de grandes réformes que nous avons proposées. Disons que le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guy Luando, a proposé dans le cadre de ces secteurs. Parce qu'ailleurs, le ministère de l'Aménagement du Territoire est le socle du développement. La ville-province de Kinshasa, vous le savez, elle a été construite sur base d'un plan urbanistique de plus ou moins 500 000 habitants. Mmh. C'est par là que nous avons construit le route que nous avons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la même ville de Kinshasa utilise plus de 13 millions. Merci beaucoup, Manix Yenda. Avec vous, on a abordé le Congo d'après les vérités cachées. Et notre toute première thématique, c'était Affaire Jeep. La classe politique est vraiment divisée. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes des Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Bedrine Kenge. Il sera 20h dans l'est de la RDC. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.